Mesdames, Messieurs, Monsieur le Professeur, vous avez bien accepté, en ces temps perturbés, de participer aux conférences préliminaires à notre session, dont le thème est « La Méditerranée comme horizon de pensée ». Je vous remercie et je vous en suis reconnaissant, d'autant plus que vous avez choisi un sujet passionnant, séduisant, et qui, par son caractère interrogatif, m'autorise à remettre en cause le sujet même de notre session du mois de mai. La culture méditerranéenne existe-t-elle? Interrogation qui sous-tend que notre thématique présuppose l'existence d'une unité méditerranéenne. Alors, comme l'affirme un analyste, l'unité du monde méditerranéen ne peut être postulée. Qu'il y a peut-être des Méditerranées, comme il y a des cultures. Une autre analyste intitule son titre, ou le titre de son étude, « Entre unité et diversité, la Méditerranée plurielle ». Le titre que nous devrions, nous, retenir dès lors pour notre session serait plutôt « La Méditerranée comme horizon », mais dans ce cas-là, au pluriel, de pensée. La diversité méditerranéenne semble évidente, mais où serait donc l'unité ? Géographique ? Historique ? Abbis Sébastien affirme que quand l'Empire romain était à son apogée, ce fut la seule époque dans l'histoire, la longue histoire, où toutes les régions du bassin méditerranéen furent soumises au même pouvoir politique et à la même ère de civilisation. Culturelle, nous attendons avec impatience votre conférence pour nous en convaincre et pour nous convaincre, comme l'a fait Élisée Reclus, qui se distingue de ses pairs par l'affirmation d'une amplitude d'une synthèse méditerranéenne où tous les éléments s'articulent les uns aux autres pour fonder une logique globale. Imaginaire, certes, représentation sans doute que cette unité culturelle de la Méditerranée, plus virtuelle que réelle. Un exemple en conclusion de cette brève introduction, exemple probablement discutable et sûrement à discuter. Il concerne en particulier l'expression arabe avec laquelle on représente la Méditerranée, al-Bahar al-Abyad al-Mutawassit. D'où vient cette couleur blanche dans l'expression concernant cette mer dans l'arabe contemporain, alors que par le passé, on disait, comme le rappelle Jean-Yves Moisseron et Manar Bayoumi, Bahar al-Sham, la mer du Levant, ou Bahar al-Rum, la mer des chrétiens, des Byzantins en l'occurrence. Alors ajoute-t-il que l'expression la mer blanche du milieu paraît énigmatique. Ils affirment qu'il y a là un emprunt à la langue turque, Akdeniz, qui signifie blanc, par opposition au terme Karanediz, qui signifie noir, et oppose notre mer blanche à la mer noire. Ils ont conclu qu'il n'y a pas de représentation spécifiquement arabe de la mer Méditerranée. Cette mer machine à faire de la civilisation, selon Verlairi, ne serait-elle qu'une invention, selon le titre d'Anne Ruel. Je préfère privilégier l'optimisme de Joseph Maïla. La Méditerranée est, dit-il, cette étonnante civilisation qui, au fur et à mesure de son déploiement, balisa les trajectoires de notre culture, fixant l'un après l'autre les repères majeurs de notre histoire
et faisant de tous les dépositaires d'un héritage où l'alphabet est phénicien, le concept grec, le droit romain, le monothéisme sémite, l'ingéniosité punique, la munificence byzantine, la science arabe, la puissance ottomane, la coexistence andalouse, la sensibilité italienne, l'aventure catalane, la liberté française et l'éternité égyptienne. Si nous retenons cette synthèse séduisante de la Méditerranée et restera envers et contre tout une machine à produire de la culture ou des cultures, et Mare Nostrum évitera de devenir un piège à idéologie, ce qui la guette en cette période de son histoire où les flux migratoires exacerbent les tensions des deux rives de cette mer qui devrait être un lien plutôt qu'une frontière. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs, je tenais d'abord à vous remercier de cette invitation qui m'honore et qui m'a rempli de, comment dirais-je, j'allais dire angoisse, mais le mot est un peu fort, d'interrogation. La Méditerranée comme horizon, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens faire dans cette galère, si vous me permettez cette citation de Molière, qu'est-ce que je viens de faire dans cette galère? Et je me suis dit, dans le fond, il se trouve que depuis une douzaine d'années, je travaille sur un projet de recherche que je me suis fixé à moi-même, parce que quand on était retraité, on n'a plus personne pour nous fixer des objets de recherche. De toute façon, quand on est professeur, on est censé faire ce qu'on veut. Que j'ai appelé, intitulé comme ça, l'émergence de la modernité. Et ce travail m'a amené à faire une enquête sociologique, je suis sociologue, à travers l'histoire, pour découvrir que les catégories qui fondent notre modernité, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus parce que ça serait trop long, mais les catégories essentielles qui organisent notre modernité ont émergé de débats qui ont eu lieu entre, grosso modo, la fin du XIIe siècle et début du XIVe siècle, dans une toute petite partie de l'Europe occidentale, qui va, grosso modo, de Milan à Toulouse et de Paris à Barcelone, avec une petite pointe à Oxford, grâce aux franciscains qui y avaient pris le pouvoir. Et dans le fond, je me suis dit, tout ce que j'ai lu sur cette portion d'histoire, et je crois que vous avez entendu le philosophe français Alain de Libera il y a quelques semaines ou quelques mois, Alain Libera dit très bien quelle est la dette que l'Europe occidentale a contactée avec le monde arabo-musulman. Je vais y revenir dans quelques minutes. Et dans le fond, je me suis dit, ben, y a quelque chose qui se passe là autour de cette mare. Mare, mer. Et donc, je vous ai proposé ce titre, qui, comme me l'a dit un de vos collègues tout à l'heure, a un côté provocateur. Malgré mon grand âge, je reste un gamin provocateur, et donc voilà, j'ai pris un titre un peu provocateur, et j'espère que ça va provoquer une réflexion qui nous sera commune tout à l'heure. Valérie, vous m'avez devancé dans plusieurs citations que je vais répéter, mais la pédagogie, c'est la répétition, disait un de mes maîtres, Georges Canguilhem, donc je vais répéter un certain nombre de choses. Comme quoi, il y a sans doute quelque chose de commun, malgré tout. Valérie écrit « Jamais et nulle part, dans une ère aussi restreinte et dans un intervalle de temps si bref, une telle fermentation des esprits, une telle production de richesses n'a pu être observée. C'est pourquoi et par quoi s'est imposée à nous l'idée de concevoir l'étude de la Méditerranée comme l'étude d'un dispositif, j'allais dire d'une machine à faire de la civilisation. »
Quand on sait ce qu'a écrit Valéry sur la question des civilisations, et surtout après la guerre de 14-18, cette phrase de Valéry a son poids d'histoire et de réflexion. Une telle question, donc, est une provocation, ou en tout cas peut sembler être une provocation, tant il paraît évident à la plupart de ceux qui s'intéressent à la Méditerranée qu'il y a quelque chose de particulier, de spécifique, voire d'unique dans le monde, dans son histoire passée comme présente. Et bien sûr, je n'échappe pas à cette évidence, issue d'une famille qui trouve tout autour de la Méditerranée, et notamment sur sa face nord, ses racines. Ma mère est née à Marseille, mon père à Toulon. J'ai des cousins et des cousines de Barcelone à Turin. Et donc, la Méditerranée, c'est un peu, comment dirais-je, mon bassin privé. Ce qui est un premier élément de questionnement, c'est que cette zone géographique se définit par ce qu'elle n'est pas. La Méditerranée est une mer, vous le savez, et c'est à partir d'elle qu'on définit son pourtour, une terre, ou plutôt des terres, des territoires qui l'entourent, pour l'essentiel. Je dis bien pour l'essentiel parce que ce qu'on pourrait appeler l'ère méditerranéenne va au-delà des pays qui touchent à la Méditerranée. Je pense au Portugal, je pense à l'Irak, je pense à l'Iran, je pense à des pays comme ça, qui n'ont pas de côte sur la Méditerranée, mais qui sont profondément méditerranéens par bien des aspects de leur histoire et de leur culture. Ferhat Orshahni, je suis désolé, je prononce sans doute mal son nom, propose une définition de la Méditerranée que je voudrais vous proposer. Il s'agit, dit-il, d'une mer semi-fermée où vivent sur ses rives des peuples tellement différents, mais en même temps tellement semblables. Une mer entre les terres et dominée par ces dernières, une mer où les peuples, de par leur position géographique les uns à côté des autres, les uns face aux autres, sont condamnés à vivre ensemble, à rencontrer les mêmes problèmes, à vivre les mêmes craintes et à ressentir les mêmes espérances. En effet, c'est d'être entouré de terre que cette mer tient son nom, mer au milieu des terres, Méditerranée, qui lui a été donnée par les Latins, qu'il appelait d'ailleurs aussi Mare Nostrum. Ce possessif est intéressant, mettant ici l'accent sur, comme vous l'avez dit il y a quelques minutes, un moment historique lui aussi unique dans cette histoire, puisque l'Empire romain est le seul qui ait eu un temps la domination de l'ensemble de son pourtour. Un temps seulement, puisque très vite cet empire va se séparer en deux, comme chacun le sait. Amin Mahalouf rappelle cette époque. À l'époque romaine, dit-il, toutes ces contrées, devenues depuis chrétiennes, musulmanes ou juives, appartenaient au même empire. La Syrie n'était pas moins romaine que la Gaule, et l'Afrique du Nord était assurément, du point de vue culturel, bien plus gréco-romaine que l'Europe du Nord. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Amin Mahalouf sur les croisades. Il montre à quel point les Européens du Nord, quand ils sont arrivés à Byzance, sont apparus comme des rustres, comme des paysans, des gens sans culture, face à la magnificence de Byzance et à sa culture, l'importance de son architecture, de sa littérature, de sa philosophie, etc., etc. D'autres empires ont bien tenté de renouveler cette emprise, mais tous ont échoué. On sait que la conquête arabe s'est arrêtée au sud de la France à l'ouest et à l'Empire byzantin à l'est, que l'Empire ottoman s'est arrêté aux frontières du royaume du Maroc à l'ouest et à l'Empire austro-hongrois à l'est. Amin Mahalouf, après avoir rappelé la tentative de l'empereur de Byzance, Justinien, de reconstituer l'Empire romain unique et son échec, souligne « Le grand empire romain ne renaîtra plus. Plus jamais la Méditerranée ne sera réunie sous une même autorité. Plus jamais les habitants de Barcelone, de Lyon, de Rome, de Tripoli, d'Alexandrie et de Jérusalem
n'adresseraient leur requête à un souverain unique. Je ne suis pas sûr qu'il faille regretter cette unité fondée sur la conquête militaire et sur un premier mode de colonisation. Mais faut-il pour autant se réjouir ou même se contenter de la division actuelle? La question posée par Eric Hobsbawm, l'historien britannique, à propos des continents, doit pouvoir être posée aussi sur la question qui nous intéresse. Je le cite, « Les continents peuvent-ils avoir une histoire en tant que telle ? Ne confondons pas politique, histoire et géographie, surtout devant ces surfaces dans les pages d'un atlas, qui ne sont pas des entités géographiques naturelles, mais simplement des noms humains donnés à des parties de blocs continentaux. » La Méditerranée rassemble trois continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Si on accepte de distinguer l'Europe de l'Asie, après tout, ça n'est jamais que la péninsule la plus à l'ouest du continent asiatique. La Méditerranée se trouve donc à la confluence de trois continents qui chacun a une histoire propre et dont une partie seulement se retrouvait sur ses bords. Mais sur tous ces bords vont venir affluer ce que, dans l'arrière-pays de ces continents, malgré parfois des détours importants, ont contribué à en faire ce qu'il est aujourd'hui. Les Asiatiques venus d'Asie centrale et qui vont conquérir l'Europe, mais aussi une partie de l'Afrique du Nord, les Vandales qui sont passés par l'Espagne et sont venus jusqu'à Tunis, jusqu'à Carthage de l'époque, lors de ce qu'on désigne comme les grandes invasions en Europe, ceux qui vont venir jusqu'au Proche-Orient, Mongols, Turcs, etc., ceux qui viennent de la péninsule arabique, plus proches certes, mais déjà relativement méditerranéens par leur expansion. Amin Mahalouf, toujours lui, rappelle que 5 ans après la mort de Justinien, naquit Muhammad, Mahomet, le prophète de l'islam, hors des limites de l'Empire, mais pas si loin. Il y avait constamment un va-et-vient de caravanes entre sa ville natale, la Mecque, et les cités du monde romain telles que Damas ou Palmyre, comme d'ailleurs avec l'Empire sassanide, rival des Romains et lui-même secoué par d'étranges convulsions. Enfin, ceux qui viennent, rarement de leur plein gré, du cœur de l'Afrique, victimes très tôt de la traite esclavagiste, qui avant de se tourner vers l'Atlantique, sont venus alimenter les marchés aux esclaves de la Méditerranée. La Méditerranée a été aussi, et peut-être surtout, lieu de migrations intérieures qui ont débuté très tôt avec les Phéniciens à partir du XIe siècle avant Jésus-Christ, qui vont fonder Carthage en Tunisie actuelle et bien d'autres villes en Espagne ou au Maroc, en Sicile, etc. et ont peut-être déjà, il semblerait que ça soit avéré, franchi le détroit de Gibraltar. Les Grecs ensuite, et notamment les Athéniens qui vont créer Marseille en France, que je suis particulièrement sensible, et coloniser une partie du Proche-Orient, le Liban, où j'étais il y a encore 3 semaines et où j'ai pu voir dans le musée national de Beyrouth des restes archéologiques grecs absolument magnifiques, mais aussi égyptiens, mais aussi venant d'à peu près toute la Méditerranée. Ils vont atteindre l'Égypte, suivis et remplacés dès le 1er siècle par les Romains, qui, en 2 siècles à peine, vont conquérir l'ensemble du bassin méditerranéen. Encore une fois, c'est les seuls à l'avoir fait, même si rapidement cet empire va se scinder en deux, créant une frontière politique, mais aussi culturelle, qui perdure en partie aujourd'hui entre l'empire d'Occident et celui d'Orient. Vincenzo Cicelli, qui est un de mes collègues sociologues, s'appuyant sur la lecture de Mahalouf, souligne ainsi, je le cite, « La Méditerranée a toujours été un lieu de mixité, de brassage, de recherche de pureté et de production d'impureté, d'opposition et d'affrontement, mais aussi d'enrichissement, de fondation réciproque, de création de vastes syncrétismes. Des empires aux aspirations universelles y sont nés, tels ceux hellénistes, romains ou ottomans, et aux cohabitations de cultures hétérogènes depuis les temps les plus reculés. » Eric Hobsbawm le rejoint en soulignant, je le cite, « Il serait tout aussi logique de tenir pour syncrétique toute la civilisation méditerranéenne. » Et je vous fais remarquer qu'il parle de civilisation méditerranéenne, de l'Antiquité classique.
Elle a, après tout, importé du Proche et du Moyen-Orient son écriture, comme elle fera plus tard de son idéologie impériale et de sa religion d'État. Je vais revenir sur cette question des apports du Moyen-Orient aux États qui entourent la Méditerranée et qui concourent à sa culture. Il poursuit « La division actuelle entre Europe, Asie et Afrique ne signifiait en fait rien, au moins en rapport avec le présent. Dans une région où les Grecs vivaient et prospéraient de la même manière sur les trois continents, c'est seulement lors de notre siècle tragique qu'ils furent expulsés d'Égypte, d'Asie mineure et de la région du Pont Euxin. Pour les Grecs, en fait, il n'y avait pas de frontière entre la Grèce actuelle et la Turquie actuelle. Ces philosophes étaient tous, ou presque jusqu'à Socrate, issus de l'Asie mineure, Thalès, Empédocle, Parménide. Et l'Égypte si proche, était si proche qu'une famille grecque, après la conquête d'Alexandre, régna sur elle jusqu'à la conquête romaine, la fameuse Cléopâtre, qui était grecque, enfin d'origine grecque. Il poursuit d'ailleurs sur l'évocation de ce dernier, quelle signification cela pouvait-il avoir au beau jour de l'Empire romain, pas encore divisé, heureusement tricontinental et prêt à assimiler tout ce qui lui semblait utile, d'où que cela provienne. C'est en effet un trait caractéristique des Romains que d'avoir emprunté aux autres peuples conquis tout ce qu'ils pouvaient en tirer. Et de plus, ils se l'assimilaient. C'est peut-être d'ailleurs un des traits principaux de ce qu'on appelle la civilisation occidentale, dans laquelle je mets le monde arabo-musulman. C'est une particularité de la pensée que j'ai sur la modernité. Ainsi, on sait que les patriciens romains se sont mis à parler grec, alors qu'ils avaient conquis la Grèce, donc les Grecs étaient un peuple vaincu, mais qui a imposé sa langue de culture. Et Cicéron s'est chargé de traduire les philosophes en latin, inventant pour cela un vocabulaire nouveau, qui reste d'ailleurs celui de la philosophie aujourd'hui. Cette capacité d'emprunter aux autres est un trait caractéristique des peuples qui vivent autour de la Méditerranée, contrairement, comme le montre très bien Alain Bire, à propos d'une autre très grande civilisation contemporaine, la Chine. On trouve des traces des Phéniciens, des Grecs, des Égyptiens, mais aussi des Arabes, des Turcs, dans les monuments, la cuisine, comme dans la musique et les traditions diverses qui font le fond d'une civilisation, et en partie viennent encore plus loin, les Indes ou la Chine. Je lisais récemment un roman qui traite de l'histoire des échecs, du jeu d'échecs. On sait qu'il a été inventé peut-être en Chine, sans doute aux Indes, qu'il a été transformé en Iran, retransformé en Irak, revu en Espagne, et que ces règles actuelles ont été établies en France, en Angleterre et en Italie. Mon collègue Lumba Shango Loko cherche à cerner cette réalité à partir de l'analyse d'œuvres littéraires, et c'est souvent un bon instrument d'analyse. C'est en tout cas ce que j'ai essayé d'enseigner pendant les années où j'enseignais encore. Lieu d'expression, de représentation de cet espace culturel. Je le cite, le bassin euro-méditerranéen comprend un ensemble d'une vingtaine de pays autour d'une mer, la Méditerranée. D'un côté, la Méditerranée orientale et de l'autre, la Méditerranée occidentale. Déjà une séparation. Autrement dit, la Méditerranée n'est pas seulement une géographie ni une histoire, mais elle est aussi un ensemble, un vaste ensemble humain où des cultures, des civilisations se sont rencontrées, affrontées et brassées depuis la nuit des temps, et qui est aujourd'hui tant bien que mal entrée dans une nouvelle phase de questionnement de ses frontières. Cette distinction entre Orient et Occident est intéressante, à mon sens, d'autant plus qu'elle vient se substituer à la distinction Nord-Sud, plus classique en géopolitique, mais qui ne s'applique pas de façon adéquate pour cette région du monde, me semble-t-il, qui est pourtant un des lieux de cette rencontre, pour ne pas dire affrontement, entre les pays du Nord qui se disent ou se croient développés et qui sont réellement pour la plupart riches, et ceux qui, au Sud, sont considérés comme moins développés, ce qui, bien entendu, est un jugement à relativiser,
Le plus et le moins étant toujours fonction d'un critère ou d'une unité de classement qui peut être discutée. Tous les peuples, Lévi-Strauss nous l'a appris, n'ont pas la même histoire et ces histoires n'ont pas de modèle unique, contrairement à ce que pensaient un certain nombre d'anthropologues au XIXe siècle. Qui considéraient, ces historiens et ces anthropologues, qui considéraient que l'Europe occidentale était, je mets les guillemets, la civilisation, les autres peuples étant donc en retard, et je mets ça aussi entre guillemets, sur eux. Ça s'appelle l'ethnocentrisme. Je ne vous apprends rien. La Méditerranée est sans doute trop riche et trop complexe pour pouvoir être réduite à des schémas un peu trop binaires. Tumba Changoloko poursuit « Bref, la Méditerranée comme espace, culture et histoire rassemble dans ses pourtours trois régions, l'Europe méridionale, l'Afrique septentrionale et l'Asie orientale. On parle de Méditerranée occidentale et de Méditerranée orientale. Elle relie trois continents. C'est pourquoi elle est considérée comme une mer intercontinentale. Elle structure les manières d'être, de penser et de vivre de 20 pays qui l'environnent. » Ce qui est intéressant dans cette citation, c'est que l'auteur désigne la partie de l'Asie comme orientale, se plaçant donc du point de vue de la Méditerranée et non de l'Asie, contrairement à ce qu'il fait pour l'Europe et l'Afrique. La Méditerranée est en effet à l'ouest de l'Asie et non à l'est, c'est ce qui peut apparaître comme un lapsus et sans doute significatif de la place qu'occupe cette mer dans l'espace symbolique. L'Orient commence sur ses bords, c'est pourquoi on le dit proche, proche de quoi ou de qui, si ce n'est de l'Occident, ou moyen, mais par rapport à quoi, ce qui le distingue de l'extrême Orient, autre ère culturelle, qui, même si elle a été à l'origine de bien des inventions emportées dans la zone méditerranéenne et qui ont fait sa fortune et sa puissance, souvent au détriment d'ailleurs de cet Extrême-Orient, se distingue beaucoup plus radicalement de la culture de la Méditerranée orientale que celle-ci de la culture méditerranéenne occidentale. S'appuyant donc sur plusieurs œuvres littéraires, Tumba Changoloko souligne ainsi la Méditerranée comme eidos, eidolon, forme, abstraction, image, comme ethos, comme pathos et comme topos, est au cœur de l'imaginaire de ses auteurs. L'un des traits ou des motifs de cet imaginaire méditerranéen est la navigation. Celui-ci pose le problème de la mimésis ou de la fiction de la Méditerranée, c'est-à-dire celui de la somme des images, figures et de ses représentations. Cette dimension de la navigation est en effet un des aspects les plus constants des rapports humains autour de cette mer. Fernand Braudel, qui est sans doute l'historien qui a le plus travaillé sur la Méditerranée, soulignait « Mais la mer, c'est autre chose qu'un réservoir nourricier. C'est aussi avant tout une surface de transport, une surface utile, sinon parfaite. Le navire, la route maritime, le port tôt équipé, la ville marchande sont des outils au service des cités, des États, des économies méditerranéennes, les outils de leurs échanges et par suite de leurs richesses. » Cette dimension de lien entre les rives de la mer est dialectiquement unie par la remarque qu'il fait ensuite. Évidemment, avant de devenir un lien, la mer a été longtemps un obstacle. D'où la nécessité pour ceux qui habitaient son pourtour de développer les techniques de la navigation, non seulement en construisant des bateaux, mais aussi en utilisant les connaissances de la nature, telles par exemple l'astronomie, qui permet de se diriger sur cette surface. La nuit est loin des côtes. Ce qui fait que le pourtour de cette mer nous sépare et nous unit à la fois. Le pont et la porte, dont parle le sociologue allemand Georg Simmel. Je le cite, « Parce que l'homme est un être de liaison qui doit toujours séparer et qui ne peut relier sans avoir séparé, il nous faut d'abord concevoir en esprit comme une séparation l'existence indifférente des deux rives pour les relier par un pont. » Cette métaphore de Georg Simmel me semble particulièrement bien s'appliquer à la Méditerranée. Il me paraît tout à fait applicable, en effet, et au peuple qui vit sur ses bords. Il poursuit « L'homme est tout autant l'être frontière qui n'a pas de frontières. La clôture de la vie domestique par le moyen de la porte
signifie bien qu'il détache ainsi un morceau de l'unité interrompue de l'être naturel. Les frontières n'ont en effet, et malgré les déclarations répétées des dirigeants politiques, été naturelles. Ce sont toujours des constructions historiques et donc sociales, inventées pour des raisons diverses et souvent liées à des conflits politiques, économiques, religieux, ayant malheureusement trop souvent des traductions militaires. Même la mer ou l'océan n'est pas une frontière naturelle. En témoigne, par exemple, un état extraordinaire, Vanuatu, composé de 80 îles. Georg Simmel conclut son texte, « Mais de même que la limitation informe prend figure, de même notre état limité trouve-t-il sens et dignité avec ce que matérialise la mobilité de la porte, c'est-à-dire la possibilité de briser cette limitation à tout instant pour gagner la liberté. Un pont est fait pour relier et donc être franchi. Une porte est faite pour clore, mais peut être ouverte comme n'importe quelle frontière. » Le sociologue Georg Simmel montre ici son optimisme sur la possibilité de franchir ce qui sépare. Mais il y a au fond de sa réflexion une dialectique importante. Pour relier, il faut séparer. On ne peut relier ce qui n'a pas été séparé, et d'une certaine manière, il aura fallu la dispersion de l'Empire romain pour qu'on puisse un jour penser, ou peut-être rêver, l'établissement d'une nouvelle culture commune autour de la Méditerranée. Comme y insiste Tumba Sango Lokoo, bref, la Méditerranée relie, relate et relaie. D'où l'évocation de l'idée de raccordement et de réunion, d'étreinte entre Grèce et Turquie, Israël, Palestine et Liban, France et Algérie, géographie cordiale et histoire intime pour elle. En somme, si ces trois œuvres ne s'inscrivent pas dans le culte de l'idéologie méditerranéiste, c'est un néologisme, pour parler comme Abdallah Laroui, historien marocain, elle thématise dans une certaine mesure la Méditerranée en tant que telle. Ce néologisme de méditerranéiste est tout à fait intéressant. Que pourrait être cette méditerranéité? Comment en définir les traits distinctifs, les spécificités, etc. Bouchara Ramouni et Younes Laoui, citant l'œuvre de Fernand Braudel, souligne bien ce caractère de feuilletage des différentes strates de développement dans les Méditerranéens, des pays méditerranéens. Il s'agit à la fois d'un empilement et d'une juxtaposition. Je les cite. L'historien Fernand Braudel se plaisait à décrire la Méditerranée comme non pas une civilisation, mais des civilisations entassées les unes sur les autres. Voyager en Méditerranée, s'écrivait-il, trouver le monde romain au Liban, la préhistoire en Sardaigne, les villes grecques en Sicile, la présence arabe en Espagne, l'islam turc en Yougoslavie. L'histoire méditerranéenne est riche d'une histoire partagée par des empires si différents, empires grecs, romains, ottomans, abbassides ou almohades. La Méditerranée est aussi le bassin de confrontations majeures, croisades, période coloniale, guerre froide, et le territoire de nœuds et de ressources stratégiques. On pourrait multiplier des exemples qui confortent cette analyse et rappeler, par exemple, Carthage et ses ruines ou Volubilis, ou encore les réalisations de l'architecture coloniale un peu partout au Maghreb, y compris le fait, par exemple, comme je l'ai lu dans une thèse il y a quelques années, certains architectes européens à Casablanca se sont, entre guillemets, fait à la main, et on y trouve souvent les premières réalisations architecturales qui vont trouver leur aboutissement dans les métropoles européennes et nord-américaines, notamment à Chicago. Et puis, il y a l'influence arabe en Sicile, par exemple, qui se marie avec celle des Normands ou des Francs, et il y a les restes des croisades au Liban qui se juxtaposent au temple grec. Il est clair qu'autour de cette mer, il s'est joué une partie essentielle de ce que l'ensemble du monde a connu du fait de la colonisation. C'est autour de cette mer que les traits principaux de ce que je désigne comme modernité, dans le travail auquel je faisais allusion tout à l'heure, a vu s'établir, se définir, se développer les principales caractéristiques qui ont non seulement permis son émergence, mais lui a aussi assuré les moyens techniques, scientifiques, militaires et idéologiques de son expansion et de sa domination. Bouchara Ramouni et Younes Laoui citent le politologue franco-libanais Joseph Mella, pour souligner, Joseph Mella expliquait dans Mare Nostrum, étonnante civilisation méditerranéenne
qui, au fur et à mesure de son déploiement, balisa les trajectoires de notre culture, fixant l'un après l'autre les repères majeurs de notre histoire et faisant de nous les dépositaires d'un héritage, et vous avez cité cette phrase tout à l'heure, où l'alphabet fut phénicien, le concept grec, le droit romain, le monothéisme sémite, l'ingéniosité punique, la munificence byzantine, la science arabe, la puissance ottomane, la coexistence andalouse, la sensibilité italienne, l'aventure catalane, la liberté française et l'éternité égyptienne. On peut en partie souscrire à cette envolée lyrique, mais on peut aussi sans doute interroger chacune de ses attributions. Et par exemple, au IIe siècle avant Jésus-Christ, la principale école juridique sur la Méditerranée, c'était Beyrouth. Bon, donc c'était pas romain, c'était grec. Mais enfin, bon. Et puis, on pourrait se poser la question de savoir si un des plus grands poètes de l'éternité, c'est pas Dante, plutôt que les Égyptiens. Enfin bon, on pourrait beaucoup critiquer cette phrase, mais elle est belle. Elle est magnifique, et donc je n'ai pas résisté à l'envie de vous la citer, et apparemment, M. le secrétaire général n'a pas résisté non plus à cette tentation. Mais il ne faut pas toujours résister aux tentations. Et puis, on pourrait repérer certains manques. Il y en a un auquel je suis particulièrement sensible. La poésie, au sens moderne et européen du terme, vient d'Irak et va, à travers l'Espagne musulmane, être transmise et transformée pour devenir l'art des troubadours et des trouvères en France dès le XIIe siècle. Mais ce n'est pas peut-être vraiment ce qui est important. Il me paraît plus intéressant de mettre l'accent sur le caractère évolutif de ces traits repérés comme spécifiques à la civilisation méditerranéenne. Ce n'est pas chacun qui est caractéristique, mais leur ensemble qui est unique et singulier et donne à cette ère culturelle son identité. Comme l'écrit André Azoulay, cité par Ramouni Eslaoui, à propos de l'opération qui s'est passée autour d'Essaouira, qui est une des plus belles villes que j'ai visitées il y a pas mal d'années maintenant, à Essaouira, nous avons choisi de tout additionner et de ne rien soustraire. Dans la recherche menée ces dernières années sur ce que je désigne, et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'émergence de la modernité en Europe occidentale, j'ai montré, en m'appuyant sur de très nombreux travaux d'historiens, philosophes et théoriciens qui ont étudié le Moyen-Âge, notamment Alain de Libera, que vous avez entendu, et notamment sur la période entre le XIe et le XIVe siècle, ce que devait la culture européenne, entre guillemets chrétienne, à l'héritage arabo-musulman. La philosophie, la médecine, les sciences de la nature, développées par les Grecs du VIe siècle avant Jésus-Christ à l'ère chrétienne, ont été traduites du grec à l'arabe par les Syriaques à la demande des califes de Bagdad, et transmises dans la Sicile et l'Andalousie musulmane, puis à Tolède comme à Palerme. Ils vont être traduits en latin, permettant la diffusion non seulement des œuvres d'Aristote, à peu près inconnues jusque-là, en tout cas en Europe occidentale, mais aussi et peut-être surtout les commentaires d'Avicenne, qui était iranien, et d'Averroès, entre autres philosophes musulmans. Il y en a beaucoup d'autres qui ont été traduits. On sait que les œuvres d'Avicenne, par exemple, ont été traduites en latin avant celles d'Aristote. Et l'Occident chrétien a connu Aristote d'abord par les commentateurs, Avicenne et Averroès, avant de découvrir Aristote lui-même, enfin en tout cas la traduction en latin des textes arabes. Cette révolution intellectuelle, et l'arrivée de l'aristotélisme en Europe a été une révolution intellectuelle fondamentale, aura donc fait presque le tour de la Méditerranée. Sauf qu'elle a été arrêtée aux limites de l'Empire d'Orient après les grands schismes entre l'Église d'Occident et l'Église d'Orient. Il faudra attendre le XIXe siècle et ce qu'on a appelé, excusez-moi ma prononciation, Narda, je crois, en Égypte, pour qu'une part de cet héritage transformé en Europe revienne sur les rives sud de la Méditerranée. C'est aussi, après l'expédition de Bonaparte en Égypte, la lente et régulière colonisation européenne du Maghreb et du Mashrek et de l'ensemble du Moyen-Orient, avec ce que cette colonisation a impliqué comme spoliation, massacre, etc. Mais aussi comme contribution et comme interaction culturelle entre ces deux civilisations si proches et si lointaines à la fois. La culture, ou les cultures en général, ne se constituent pas toujours et à vrai dire très rarement dans la paix et la prospérité. C'est le plus souvent à l'issue d'une conquête militaire que les traits culturels d'une civilisation peuvent passer dans une autre,
L'exemple des Grecs et des Latins en est un exemple particulièrement probant. Selon le processus décrit par Roger Bastide, qui a emprunté ce concept aux anthropologues nord-américains, sous le nom d'acculturation avec deux C. Ça signifie que c'est ad culture, addition de culture. C'est-à-dire le processus qui, à partir de différentes cultures, en produit d'autres nouvelles qui empruntent leurs traits spécifiques aux cultures antérieures qui s'étaient largement développées séparément. On pourrait multiplier les exemples dans la langue, la cuisine, l'architecture, la pensée, des échanges entre le nord et le sud de la Méditerranée, mais avec ce constat, peut-on réellement parler d'une culture méditerranéenne, qui est la question que je voulais poser ici. Qu'il y ait une histoire commune, des intérêts économiques ou politiques communs ou croisés, qu'il y ait eu la guerre, la colonisation, la paix, la décolonisation, qu'il y ait toujours des échanges nombreux sur le plan économique, politique, culturel, entre les pays qui bordent la Méditerranée, tout cela est évident et, heureusement, n'a pas attendu la création de l'Union pour la Méditerranée en 2008 pour exister et se développer. Que tout cela contribue à créer autour de cette mer intérieure des traits communs est sans doute facilement vérifiable. Mais pour autant, peut-on trouver ce qui lui donnerait l'unité d'une culture commune, qu'on pourrait dire méditerranéenne. Comme l'écrit Ferhat Orshani, actuellement, l'immigration clandestine, l'intégrisme religieux, la pollution marine, le terrorisme en sont des exemples plus pathologiques. Jadis, les guerres, l'exode, les conquêtes, le colonialisme jalonnaient l'histoire des peuples méditerranéens. Cela voudrait-il dire que la seule unité de cette culture méditerranéenne serait ce qui la divise, l'oppose entre actualité tragique et passé calamiteux? On ne peut éluder complètement cette question. Tout ce qui est ici décrit appartient bien à ce qui caractérise cette ère culturelle, économique et politique. Mais, peut-être heureusement, ce n'est pas la seule. Tumba Shango-Lokoo conclut son analyse en soulignant là où les contradictions qui sans doute définissent cet espace sociopolitique. Dans l'ensemble, je récapitulerai quelques points saillants qu'il importe de retenir à travers ce rapide examen de ce qu'est la Méditerranée, à travers les œuvres étudiées. La première proposition est qu'il se passe toujours quelque chose en Méditerranée, dans la réalité comme dans la fiction. C'est amusant parce que c'est un slogan publicitaire pour un grand magasin parisien. Pas seulement dans la mer, mais aussi dans les terres qu'il aborde. L'expression des rivages ou les sillages de la Méditerranée rend avec exactitude l'esprit ou le génie de la Méditerranée. Si la navigation intra-méditerranéenne permet d'aller d'une rive à l'autre de cette mer intérieure, elle n'empêche pas les naufrages et conflits d'identité et d'histoire. Et pour poursuivre ce que nous propose Georg Simmel, il a peut-être fallu tout ça pour qu'on jette un pont et qu'on ouvre la porte. Mais il y a aussi l'huile d'olive, le couscous, les pâtisseries orientales, j'en abuse, voire pour ceux qui en consomment, l'arak, qui s'appelle aussi ouzo ou raki, les vignes, d'Algérie au Maroc, au Liban, les mots que nous partageons, l'algèbre, l'algorithme, la philosophie ou encore les littératures marocaines, algériennes, tunisiennes, libanaises en langue française, égyptiennes en langue anglaise, ou encore les cinémas qui se croisent, qui s'enrichissent, même si on peut les concevoir parfois comme les restes de la colonisation, ce sont des richesses qui sont communes aux différents peuples méditerranéens. Tout n'est donc pas négatif dans cette ère culturelle, même si l'Europe du Sud méditerranéen a tendance à se tourner vers l'Europe, vers le reste de l'Europe, et même si le sud de la Méditerranée se tourne volontiers, et à juste titre, vers l'Afrique ou l'Asie. La Méditerranée reste un trait d'union entre son nord et son sud, son est et son ouest. Il n'y a sans doute pas réellement une unité de la culture méditerranéenne, et je crains que la réponse à ma question ne soit négative. On peut cependant espérer que cette culture se présente comme un horizon. Pour reprendre le terme que j'ai trouvé très intéressant de votre réflexion générale, la création d'une union pour la Méditerranée, incluant la culture et l'éducation,
faisant sans doute attention à ne pas répéter l'erreur dénoncée par Jean Monnet à propos de l'Union européenne. Je le cite, « On aurait dû commencer par la culture », ce qu'on n'a pas fait, et on n'y est toujours pas arrivé d'ailleurs. Mais on y arrivera peut-être un jour, soyons optimistes. Mais cette présence n'en fait malheureusement pas une priorité, et il y a sans doute une trop grande distance entre l'intention et la réalisation. Amin Mahalouf écrit « Autour de la Méditerranée se côtoient et se confrontent depuis des siècles deux espaces de civilisation, l'un au nord, l'autre au sud et à l'est. Je ne m'étendrai pas trop sur la genèse de ce clivage, mais il n'est jamais inutile de rappeler, parlant d'histoire, que tout a un commencement, un déroulement et à terme une fin. Si la réponse à la question de l'existence d'une culture méditerranéenne est sans doute négative, cela ne signifie pas qu'elle ne soit pas possible ni souhaitable. Et après tout, tout ce qui a contribué à cette histoire commune, avec ses mauvais côtés comme ses bons côtés, ne constitue-t-il pas une base solide pour construire autour de cette mer commune une ère de paix et de culture, qui donnerait à l'expression latine « Mare Nostrum » un sens qui ne serait plus l'expression de l'égoïsme d'un empire, mais la manifestation d'une culture partagée. Le sociologue, sans être prophète, Max Weber nous l'a appris, a aussi le droit de rêver à un avenir meilleur. Je vous remercie de votre attention. Peut-être que l'assistance souhaiterait vous poser quelques questions pour un peu. Avec plaisir. Si vous êtes disposé. Ah, tout à fait. Ouais. Merci, professeur, pour votre conférence. Je voudrais vous poser une question concernant les recherches anthropologiques effectuées sur la Méditerranée.